You and I, different but together, under one dream in hopes of building a new tomorrow. C'est à partir de ces quelques mots qu'a pu être créé le groupe le plus sensationnel de cette quatrième génération de K-pop, soit Tomorrow by Together, plus connu sous son acronyme TXT. Un groupe fulgurant, établi comme le boy group de la quatrième génération avec le plus de ventes physiques et digitales, dépassant même Stray Kids en 2021 et accumulant le plus de vues et streams sur les différentes plateformes. TXT est à la fois source de curiosité, étant les petits frères de BTS, mais aussi une source de talent tellement bien constitué et préparé qu'il écrase une grosse partie du marché grâce à son identité unique. Mais avant de rentrer plus dans les détails, essayons de comprendre qui sont TXT, d'où proviennent-ils et pourquoi les appelons-nous la nouvelle global sensation de la K-pop. TXT est un boy group de 5 membres qui a débuté le 4 mars 2019 avec la chanson-titre Crown. Il provient de l'agence Big Hit Entertainment sous la firme de HYBE Labels. Parmi les artistes de l'agence, on retrouve BTS et Lee Hyun sous Big Hit et plus généralement sous HYBE, The Seraphim, Seventeen, Promise 9, Hyphen ou encore Zico. Les membres qui le composent sont Soobin, leader, vocal, danse, rap, Yeonjun, vocal, danse, rap, Bungyu, visual, vocal, danse, rap, Taeyeon, vocal, danse, rap, Yuinin Kai, Maknae, vocal, danse, rap. Tous les membres sont coréens, à l'exception de Yuinin Kai, qui est coréano-américain. Yeah, hi guys, I'm Yuinin Kai. Where are you from? Yeah, I'm from Hawaii. Yeah. You're from Hawaii? Yeah, I love Hawaii! Oh, really? Yeah, right. Ce qui est visible en premier lieu et très rare dans la K-pop, c'est que les membres n'ont pas de réelle position définie. Il n'y a pas de main, lead ou sub, ni de spécialisation dans la vocal, rap ou dance line. Ainsi, les membres se partagent tous les rôles, ce qui témoigne de la volonté de Big Hit de créer un groupe qui sache tout faire, une sorte de groupe ultime sans point faible. Mais nous approfondirons ça plus tard, commençons par le début. En 2017-2018, le projet TXT était l'un des plus ambitieux de la K-pop. On pouvait lire sur tous les journaux spécialisés K-pop que les petits frères de BTS allaient bientôt voir le jour. Et vous imaginez donc bien à quel point ce groupe était attendu, car BTS était le groupe émergent et incontournable qui allait bientôt devenir la référence internationale de la K-pop. À cette époque, Big Hit Entertainment n'avait pas encore développé la firme HYBE ainsi que toutes ses filiales, et ne possédait donc que deux artistes, dont le soliste Lee Hyun. Le futur groupe Donseng de BTS était ainsi le seul à venir intégrer l'agence depuis. Cette attente des fans face à la relève du Global Sensational Boy Group de l'époque a grandement développé la popularité de TXT dès leur pré-début, et ce, avant même d'avoir des informations sur les membres du groupe. Le 27 novembre 2018, il a été confirmé que Big Hit allait faire débuter un boy group de 5 membres au début de l'année 2019, étant le premier groupe de l'agence à faire ses débuts en 6 ans depuis ceux de BTS en 2013. Le groupe serait composé de membres ayant un âge moyen de 17 ans et aurait un concept différent de leurs aînés. C'est ainsi que le 9 janvier 2019, l'agence a lancé un site web contenant un compte à rebours et le texte « You and Me ». Le site web interactif fait également apparaître la phrase « You and I, different but together ». Le lendemain, Yeonjun, le premier membre du groupe, a été révélé à travers des photos et de courtes vidéos d'introduction, ainsi que le nom du groupe Tomorrow by Together. Chaque membre est ensuite dévoilé, Soobin, puis Yuinin Kai et Taeyeon, jusqu'au 21 janvier où le cinquième et dernier membre fut partagé, Bungyu. Les précommandes de leur album ont été ouvertes le 19 février
et le groupe a réussi à dépasser les 100 000 copies vendues en à peine 3 jours, montrant encore une fois l'impact de l'agence Big Hit sur leur marketing. Le groupe a fait ses débuts officiels le 4 mars 2019 avec la sortie de son premier mini-album The Dream Chapter Star et de sa chanson-titre Crown. La chanson a été saluée pour son côté frais et énergique et ses paroles significatives. Les lyrics de la chanson décrivent un garçon qui se réveille un jour avec des cornes sur la tête et qui commence à se détester et à s'éloigner des autres. Il rencontre ensuite un autre personnage qui a des ailes dans le dos et apprend à s'aimer lui-même. Le groupe a décrit la chanson comme traitant des douleurs de la puberté et de l'adolescence. Les membres se voient aussi récompensés par un segment spécial sur la chaîne de Mnet nommé Debut Celebration Show. Ce type d'émission est uniquement réservé aux idoles et groupes assez reconnus dans le milieu et qui ont les moyens. Produit par Mnet, un des plus gros distributeurs de K-pop. Cette émission de 40 minutes avait pour but de présenter le nouveau groupe de l'agence à travers des performances sur scène regroupant des chansons de leur album, mais aussi des moments plus naturels, à travers des vlogs dans les studios d'enregistrement, leurs entraînements dans les studios de danse, ainsi que les moments de vie commune. Premier moment de vie à être révélé au public. Le clip vidéo de Crown a très bien été accueilli, puisqu'il a réussi à battre le record du plus grand nombre de vues d'un débutant en 24 heures, en amassant 14 millions de vues. L'album s'est classé en première position des classements iTunes dans 44 pays différents, dès le lendemain de sa sortie. Le groupe a aussi remporté son premier trophée d'une émission musicale hebdomadaire le 12 mars à The Show. 감사합니다. 소감 부탁드릴게요. 네. 어. Là où certains groupes attendent des années avant d'obtenir de la reconnaissance, TXT, à peine plus d'une semaine après son début, ressort avec un premier trophée, symbole de son succès grandissant. Cette victoire se prolongera ensuite par deux wins à M Countdown et Show Champion. Le 9 avril 2019, TXT annonce sa première venue aux États-Unis, Tomorrow by Together Showcase Star in US, se déroulant dans 6 grandes villes telles que New York City, Chicago ou encore Los Angeles. Les tickets ont tous été sold out en moins de 24 heures, ce qui témoigne encore une fois de l'engouement autour du groupe, non pas seulement en Corée du Sud, mais aussi à l'international. Durant sa tournée, le groupe a rejoint les coulisses du concert de BTS à Chicago. Les deux groupes de Big Hit ont alors immortalisé le moment en postant une photo sur les réseaux sociaux. Ce sera le 25 avril que Big Hit partagera le nom choisi pour nommer les fans de TXT, Yeongwon. Cependant, de nombreux fans ont fait remarquer que ce nom était déjà utilisé par une autre artiste de K-pop, en l'occurrence Tiffany Young, ancienne membre de Girls' Generation. L'agence a alors déclaré qu'elle changerait le nom en prenant compte des propositions des fans. Et c'est le 22 août que le groupe a finalement dévoilé le nouveau nom, MOA. Il signifie « Moments of Alwaysness » et représente chaque moment que les fans partagent avec TXT pour toujours et à jamais. Le 2 octobre, l'agence annonce le retour du groupe avec son premier album studio The Dream Chapter Magic, qui sortira ensuite le 21 octobre avec la chanson-titre Runaway. Musicalement, l'album mélange différents genres musicaux, tels que du R&B, de la tropical house, de la pop acoustique et du hip-hop, montrant que le groupe ne se limite pas à un seul genre, mais possède une discographie diversifiée et colorée. Le clip de Runaway fait visuellement allusion à l'univers d'Harry Potter, notamment avec le titre évoquant le quai du train 9¾. La chanson, bien que rythmée et entraînante, a une touche de tristesse à travers ses paroles. Les 5 membres explorent l'idée de fuir les fardeaux de la vie et de s'enfuir, avec les paroles du refrain incroyablement entraînantes. L'album a dominé le Gaon Album Chart, surpassant les 124 000 copies vendues la première semaine de mise en vente seulement.
avec la sortie de leurs deux albums, TXT se place deux fois en tête des classements et prouve qu'ils sont bien le nouveau groupe émergent à suivre. Billboard et Dazed nomment même Runaway comme l'une des meilleures chansons de K-pop de l'année. Le succès commercial de TXT dans les premiers mois de leur carrière est encore une fois visible, puisqu'à la fin de l'année, ils reçoivent de nombreux prix récompensant le meilleur groupe rookie dans des award shows majeurs tels que les Asia Artist Awards, les Melon Music Awards ou encore les Mnet Asian Music Awards. Le lightstick officiel de TXT a été révélé par Big Hit Entertainment le 20 janvier 2020 via leur compte Twitter après une série de vidéos mystérieuses. Il est sorti officiellement le lendemain, le 21 janvier 2020. Son nom est le Moa Bong et vient de la combinaison des mots Moa, le nom du fandom, et Bong, qui veut dire bâton lumineux. Le lightstick a une tête en forme de disque rond avec un signe bleu au milieu. Le T et le X représentent les logos du groupe. Une poignée blanche porte le nom du groupe Tomorrow by Together. Son design est coloré et enfantin et représente totalement l'univers du groupe. Le 15 février 2020, le clip de Crown a dépassé les 100 millions de vues sur YouTube, devenant le clip de début d'un groupe masculin de K-pop ayant atteint le plus rapidement ce palier. TXT fait son retour le 18 mai avec son second mini-album, The Dream Chapter Eternity, accompagné du clip vidéo de Can't You See Me. Le groupe explique « The Dream Chapter Star », notre premier album, parlait du bonheur et de l'excitation de rencontrer quelqu'un de spécial. « The Dream Chapter Magic » parlait des aventures magiques que nous avons vécues en tant que groupe d'amis. Notre dernier album, « The Dream Chapter Eternity », poursuit cette histoire. Notre groupe d'amis se heurte à un mur et à la réalité. Can't You See Me suit ainsi les traces des précédents titres en se concentrant sur le thème de l'amitié. La musique aborde toutefois un scénario différent, où l'amitié est devenue une source d'angoisse qu'elle servait autrefois à apaiser. En opposant continuellement des images innocentes et sinistres dans le MV, le titre dresse un portrait de la volatilité des émotions adolescentes et de la façon dont cela peut rendre fragiles même les amitiés de jeunesse les plus durables. L'album s'est placé deuxième au Girl Album Charts et recevra en juillet une certification de platine, la première certification pour TXT. Le clip vidéo de Puma sort le 3 juin, permettant au groupe de continuer ses promotions pour l'album avec cette chanson dans les émissions musicales. Le 29 juin, le groupe partage un clip vidéo de 19 minutes nommé Eternally. Ce dernier étoffe grandement la storyline de TXT et crée des liens avec des éléments des précédents clips du groupe sous forme cinématique. Le 19 août 2020, le second single japonais du groupe sort. Il s'intitule Drama et regroupe les versions japonaises de Drama et Can't You See Me, ainsi que la piste inédite Everlasting Shine. Le 18 septembre, le groupe était présent lors de la finale de l'émission Island, le survival visant à faire débuter un nouveau groupe sous Belift Lab, une filiale de HYBE, qui s'avérera être Enhypen. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte de la puissance des groupes de la firme, et notamment l'impact important qu'avait déjà TXT en tant que rookie, en se plaçant aux côtés de BTS ou encore Seventeen. Le groupe fait son retour le 26 octobre avec la sortie de son troisième mini-album, Mini Z One Blue Hour, et du clip vidéo éponyme, un titre disco et dance up-tempo avec un son dérivé du synthé. «
L'album est composé de 5 chansons, écrites du point de vue d'un adolescent qui est isolé et perdu dans ses émotions au milieu d'une pandémie sans précédent. Il représente un mélange d'émotions passant par l'espoir, la solitude ou encore l'inconnu. Le clip de We Lost the Summer est ensuite publié sur YouTube le 13 novembre et suit la même ligne directive, avec la présence des masques, mais surtout l'importance du virtuel dans la préservation des liens sociaux, représentés par le téléphone et l'ordinateur. Ainsi, avec leur premier mini-zode, le groupe voulait témoigner de cette période difficile et unique, mais aussi être une lueur d'espoir pour toutes les personnes qui se sentent bouleversées et perdues. Le 30 avril 2021 à minuit, il a été annoncé que le groupe ferait son retour le 31 mai avec l'album The Chaos Chapter Freeze, accompagné de la title track 0x1 Love Song I Know I Love You. Pour des raisons évidentes, j'appellerai cette musique Love Song. Cette musique est une excellente métaphore du vide que l'on peut ressentir à certaines périodes de notre vie. On peut d'ailleurs voir dans le MV des lieux abandonnés et bâtiments délabrés, ainsi qu'une palette désaturée qui se prête parfaitement au sentiment d'isolement. L'album marque ainsi le début d'une nouvelle série dans la discographie de TXT. Après leur trilogie Dream Chapter et leur mini-album Minizod One, servant de pont entre les deux séries du groupe. Plusieurs chansons de la tracklist ont été écrites par les membres et l'album incorpore de nouveaux genres musicaux qu'ils n'avaient jamais expérimentés jusque-là, tels que le rock, le punk, l'alternatif et le disco. Pour l'anecdote, Love Song a été coécrite par RM, membre et leader de BTS. Ainsi, pour un groupe qui n'a même pas atteint son 3e anniversaire, TXT a déjà établi une identité très claire. Un accent sur la jeunesse, qu'elle soit joyeuse, mystérieuse ou angoissée, des chorégraphies époustouflantes et des MV à couper le souffle. Cette constance a permis au groupe de devenir l'un des plus grands noms de la 4e génération de K-pop, et le tournant plus mature et sombre de ce dernier album vient dépasser les standards déjà élevés qu'ils avaient mis en place. Magic, quant à lui, est le premier single officiel intégralement anglais de TXT et le 2e single à être promu de l'album. Le morceau disco pop est représentatif de la pop classique et feel good pour lequel le groupe est connu. TXT a fait la promotion du single avec une série d'apparitions dans des talk shows américains, notamment avec sa première performance dans l'émission Good Morning America d'ABC le 10 juin. Le groupe a ensuite interprété la chanson dans l'émission The Late Late Show with James Corden sur CBS le 15 juin. Avec Magic, il montre la volonté de s'exporter de plus en plus à l'international et de conquérir l'Amérique. Ils suivent ainsi le chemin pris par BTS, qui, fort du succès de Dynamite, poursuivent leur exportation à l'américaine avec Butter. Big Hit montre ainsi la puissance de ces groupes et son ambition de les rendre irremplaçables. Le 19 juillet 2021, un album repackage intitulé The Chaos Chapter Fight or Escape a été annoncé pour une sortie le 17 août. L'album comprend 3 nouvelles chansons, dont le single principal Loser Lover, continuant sur la lancée rock et mature du groupe. Mais aussi Moa Diary, dédié à la fanbase du groupe, devenant ainsi l'hymne des Moa. Until we shine again, kick back, 우리 함께 이 그 모든 순간, take my hand off.
Girl Lover n'a peut-être pas les prouesses techniques ou les effets spéciaux tape à l'œil de certains MV mémorables de TXT, mais ce retour est magique, car au-delà de réunir tout ce qui fait la force de TXT, ils représentent le groupe comme des adultes devant faire face à la réalité de ce nouveau monde, aux difficultés et aux responsabilités. Ils y dépeignent un monde tellement fou qu'il les pousse à se plonger dans une rébellion explosive. Et c'est intéressant d'observer cette évolution à l'heure actuelle, puisque les membres ont grandi sous nos yeux, passant de concepts mignons et innocents à un univers sombre et profond. Loser Lover revisite et porte à un niveau supérieur les vibrations emo-rock de Love Song. C'est un style qui convient mieux à TXT que n'importe quel autre qu'ils ont essayé auparavant, surtout musicalement. En effet, le groupe a souvent été critiqué, non sans raison, pour ne pas avoir réussi à développer sa propre signature sonore. La tendance de Hype Labels à noyer toutes les voix de leurs artistes dans l'autotune est une des principales raisons. Ainsi, Love Song et surtout Loser Lover sont un grand pas en avant dans l'affirmation de l'identité du groupe. L'instrumentation rock permet aux chansons de TXT de se démarquer de la masse inépuisable de refrains à fredonner de la K-pop. Mieux encore, l'utilisation d'un chant plus graveleux et rock semble très naturel et plus harmonieux que le style de chant aérien qu'ils utilisent habituellement. Chaque membre est mis en avant avec sa personnalité et sa tessiture, ce qui ajoute beaucoup d'ampleur à la chanson. Le groupe a remporté 2 trophées en se plaçant à la première place avec la chanson, un sur The Show le 24 août et un à Show Champion le 25 août. Le 14 avril 2022, une vidéo teaser a été postée annonçant qu'ils reviendraient le 9 mai avec leur mini-album Mini The Two Thursday Child, accompagné du MV pour la title track Good Boy Gone Bad. Comme l'indique le titre de la chanson, les bons garçons sont devenus mauvais. Cela est une symbolique forte, puisque TXT affirme haut et fort leur évolution. Ils mettent ainsi fin à leur passé innocent et mignon, et entament un tournant plus profond et intime de leur carrière musicale. En effet, ils ont débuté en tant qu'adolescents, et sont maintenant des adultes. Ainsi, ils s'expriment de plus en plus sur eux-mêmes et le monde qui les entoure, à travers des lyrics puissants, et en participant activement aux étapes de production de leur musique. Le 26 avril, TXT a officiellement annoncé ses plans pour sa première tournée mondiale, Act Lovesick, qui débutera à Séoul le 2 juillet. Ce 30 juillet, TXT ont pu se produire au célèbre festival de musique Lollapalooza à Chicago et deviennent ainsi le premier groupe de K-pop de l'histoire à avoir été invité à performer à cet événement. Ce que nous pouvons alors retenir de ce groupe, c'est son évolution. Et c'est ce qui fait que TXT est aussi populaire aujourd'hui. Car en plus d'avoir une discographie diversifiée et intense, ainsi qu'une personnalité drôle et attachante, le groupe a grandi et s'est construit auprès de ses fans. Au cours de leur carrière, les membres sont passés par différentes phases de recherche de leur identité, et leur évolution est extrêmement visible au cours de leur MV. Aujourd'hui, TXT a trouvé sa ligne directrice et n'a plus peur de s'exprimer et de se dévoiler au public. Mais comme tout être humain, le groupe va continuer d'évoluer et d'essayer de nouvelles choses. Et on peut donc être curieux quant à leur avenir. Ont-ils atteint l'apogée de leur identité artistique ou vont-ils continuer de nous surprendre? Parlons maintenant de la storyline du groupe. HYBE a toujours montré sa volonté d'aller jusqu'au bout des choses, notamment avec la mise en valeur de la storyline de ses groupes, avec des intrigues intenses et une réelle profondeur d'interprétation. Ainsi, depuis leur début, Tomorrow by Together ont soigneusement construit un univers narratif et fictif autour d'eux-mêmes. The Star Seekers, aussi appelé TXT Universe, Plus You ou TU, est la storyline centrée sur les MV, courts-métrages et autres contenus produits par Big Hit, Music et HYBE, basés sur des personnages inspirés des membres de TXT. Le Plus You raconte l'histoire d'une amitié entre 5 garçons qui font face à des événements étranges allant de la croissance de parties du corps fantaisiste
jusqu'à la visite d'une île magique. Durant leur aventure, ils grandissent, s'acceptent, mettent à l'épreuve leur amitié et naviguent ensemble entre promesses et trahisons. Le plus You prend sa source dans la storyline de BTS, le Bangtan Universe, et se voit être encore plus poussé et affiné que ce dernier, car le BEO a donné à l'agence l'expérience requise pour aller encore plus loin avec TXT. Ainsi, Hype a donné naissance à d'innombrables théories, à un livre, à des webtoons et maintenant à une série télévisée. Certains fans pensent d'ailleurs qu'il existe aussi un multiverse de Big Hit où le Plus You et le BEO coexistent. Bien sûr, les thèmes du Plus You sont ouverts à l'interprétation et chaque fan repérera probablement des détails différents. Mais des métaphores récurrentes sont présentes tout au long de son intrigue. Pour faire court, on ne présentera que la première partie du TXT Universe avec la trilogie The Dream Chapter, car l'histoire est assez détaillée pour dépeindre le tableau de la storyline. The Dream Chapter Star. Les fondations du Plus You ont commencé avant même les débuts officiels de TXT, avec 10 courts-métrages, 5 questioning films et 5 introduction films, ayant pour but de présenter les 5 membres du groupe au public. Dans les questioning films, tous les garçons sont vus dans un paradis idyllique, entouré par la nature et des fleurs avec des papillons qui virevoltent, le tout sous une palette de couleurs oniriques. Ce décor pourrait être leur île magique, cet endroit entre rêve et réalité qui sera au cœur de leur histoire et de leur relation dans toutes les futures vidéos. Cet univers est d'ailleurs mis en opposition avec celui des introduction films, un monde bien réel et concret. Crown, le premier clip officiel de TXT, est une musique insouciante et colorée qui pourrait ressembler superficiellement à une simple présentation des 5 membres, mais qui plante en fait les graines qui se développeront pour devenir les thèmes principaux du Plus You. Les cornes qui sont au centre des paroles de la chanson sont une métaphore de l'acceptation de soi. Elles représentent une différence, au début perçue comme un défaut, mais qui, une fois acceptée, devient une couronne, une caractéristique rare qui fait de chaque être humain quelqu'un d'unique. Dans le VCR de Crown, on nous raconte qu'un garçon se réveille un jour pour découvrir que des bois lui ont poussé sur la tête. Il s'enfuit, honteux, moqué et mis à l'écart de la société. Il pense qu'il sera seul pour toujours, jusqu'à ce qu'il rencontre un garçon avec des ailes qui lui présente 3 autres garçons, tous avec des caractéristiques physiques qui les rendent différents. C'est là que réside l'essence du lien entre les protagonistes de Plus You, mais cela ne signifie pas que ce lien ne sera pas mis à rude épreuve avant la fin. C'est dans Nap of a Star, une des réalisations les plus poussées de TXT qui s'inspire du stop motion, que l'histoire va encore plus loin. Cette vidéo parle d'une promesse entre 5 garçons et une étoile. Même si nous nous séparons, retrouvons-nous ici. Plusieurs années s'écoulent et ils se rejoignent sous cette étoile comme promis, cette fois-ci avec leurs caractéristiques spécifiques qui les font souffrir. Des cornes en bois pour Yeonjun, des oreilles surdimensionnées pour Soobin, des pics sur les épaules pour Bumgyu, un œil complètement noir pour Taeyeon et des ailes pour Yunin Kai. Ainsi, ils se tendent la main et s'unissent autour de ces particularités uniques pour avancer tous ensemble. Dans cette réalisation, nous faisons également la découverte de ce qui semble être le véritable antagoniste du Plus You, une ombre menaçante de chat aux yeux verrons. Dream Chapter Magic. Si les thèmes principaux de Star étaient l'acceptation de soi et la puissance de l'amitié, Magic traite ici du besoin d'évasion et de l'importance de la rêverie. Runaway s'inspire clairement de la saga Harry Potter de par la signification de la musique elle-même. Les garçons veulent fuir une réalité qui les fait trop souffrir, à la manière de Harry, qui fait de Poudlard un rêve d'échapper à son enfance abusive auprès de son oncle. Ainsi, toute la chanson parle de fuir la réalité en faveur de ses rêves et de ses fantasmes. La présence du feu est très appuyée dans le clip. Yeonjun met le feu à son livre avec ses lunettes, et l'école des garçons brûle à la fin de la vidéo. Selon certaines théories, le feu pourrait être le symbole de l'angoisse des adolescents et d'un conflit que les garçons ne peuvent pas encore surmonter. Dans Magic Island, comme les frères et sœurs Pevensie dans la série du film Le Monde de Narnia, TXT sont transportés par un train dans un autre monde, leur île magique. Cela fait suite à la découverte qu'ils ont faite dans Runaway, lorsque la trappe au fond de la piscine s'est ouverte. Cet univers utopique est leur échappatoire ultime face au monde réel, un moyen pour eux d'être finalement heureux.
Mais même dans cet univers idéal, ils ne peuvent échapper à la réalité. Et dès qu'ils commencent à jouer avec le feu, leurs angoisses réapparaissent et l'île brûle. En d'autres termes, cela fait référence à la naïveté d'un enfant qui, quand il grandit, se rend compte de la difficulté du monde qui l'entoure, de la pression sociale, des responsabilités, et tout s'écroule autour de lui. La métaphore se poursuit ensuite, puisqu'au fur et à mesure que le monde autour des garçons se désagrège, un train apparaît et les écrase. Cette image est certes assez brute, mais représente bien le tourbillon incessant de peur et de remise en question que beaucoup d'adolescents connaissent lors de la puberté. Ce qui se passe mentalement dans la tête de quelqu'un qui traverse une phase de croissance. Et tout ce qu'il en reste est un monde vide et détruit. The Dream Chapter, Eternity. Le concept trailer du dernier EP de cette trilogie donne le ton concernant le retour du groupe. C'est un changement poignant par rapport à l'univers insouciant des deux premiers albums. Dans la vidéo, les membres sont dans une pièce sombre dont ils ne peuvent pas sortir. Ils semblent éloignés les uns des autres, puisqu'aucun d'entre eux ne peut voir que Soobin est enfermé dans une cage en verre. Le chat aux yeux dépareillés apparaît également ici, ce qui signifie qu'il est probablement le responsable de tous les problèmes des garçons. Celui qui attise le conflit qui se développe entre eux. Dans l'ensemble, le trailer communique des thèmes qui reviennent dans Eternity. La perte, la séparation, le chaos et la peur. Ken Tsuchimi parle des conséquences de l'échec de Magic Island. Après l'incendie, les relations entre les membres sont tendues et pleines de ressentiments. Comme le résume une phrase récurrente dans les paroles, « Mes amis ne me comprennent plus ». L'ensemble du décor cache des sinistres sous-entendus sous la façade de la normalité. On voit des passages où les cinq amis s'amusent ensemble, alors qu'au fond, une sensation d'étrangeté et de malaise se cache. Le mini-film de Eternally commence dans une salle de répétition, un élément qui apparaissait déjà dans Magic Island, où les garçons discutent de l'existence possible d'un fantôme dans le miroir de la pièce. Un fantôme qui, selon les théories livresques, pourrait être une incarnation de leur étoile. Donc, le côté qui les protège, contrairement au chat qui les punit. De la normalité relative de la salle de répétition, la vidéo prend un virage brutal vers le genre de l'horreur, reprenant des éléments d'Alice au Pays des Merveilles et des œuvres de Christopher Nolan. Ici, chacun des garçons est confronté à ses propres peurs et défauts, conséquence de l'incendie de l'île magique qui a provoqué leur éloignement les uns des autres. La tristesse de la situation actuelle et la nostalgie des moments heureux passés se reflètent dans les paroles de la chanson, où les garçons chantent « Mon cœur s'est enfoncé dans un labyrinthe de souvenirs » et « Le fossé grandissant entre toi et moi ». Contribution officielle du Plus You, ce court-métrage épique indique que de nombreux mondes restent à être développés par Tomorrow by Together. De la même manière qu'une personne doit passer par différentes phases pour se développer, TXT n'ont pas fini de découvrir leur monde interne, oscillant entre bonheur et chaos, pour enfin trouver leur identité propre, leur permettant de faire entièrement face au monde qui les attend. Après tout ça, vous devez déjà être passionné par Tomorrow by Together. Mais d'autres aspects montrent à quel point ce groupe est promis à un avenir lumineux. Tout d'abord, TXT est composé de seulement 5 membres, où chacun a son rôle à jouer et apporte sa particularité au groupe. Ce qui fait que l'on obtient un ensemble complet où personne n'est mis de côté. C'est ce qui participe à l'identité puissante du groupe, qui est l'un des points à retenir le concernant. En effet, même avant ses débuts, TXT a toujours revendiqué son originalité au travers de ses membres et de son univers, mais aussi au travers des titres de ses musiques, très souvent à rallonge et qui ont marqué les esprits, ainsi que des lyrics parfois particuliers et totalement hors des normes. Ainsi, que l'on aime ou que l'on n'aime pas TXT, personne ne peut leur enlever cette identité puissante qu'ils se sont créée, emmenant avec eux tout un univers dense et profond qui marque les esprits et les rend inoubliables. Mais Tomorrow by Together est également un groupe chaotique, dont les personnalités et le sens de l'humour en font des individus touchants et marquants. Entre leur variety show To Do et certaines de leurs vidéos, ils ne manquent pas de se taquiner au travers de situations cocasses qui sont aujourd'hui devenues des mèmes. Orange AID. I'm sorry, can you repeat that? OMG AID.
오렌지! 오렌지! 너는 나만의 스페셜 하나뿐인의 스페셜 분위기 열리고 추억 속의 현실로. Les membres sont ainsi très appréciés pour leur naturel et semblent aussi, au travers de leurs lives, être des personnes accessibles et à l'écoute. Mais le point le plus important à retenir, c'est que c'est un groupe talentueux qui ne souffre d'aucune faiblesse, car tous les membres savent tout faire. C'est bien dans ça que TXT se démarque. Les membres n'ont pas de position fixe, car ils sont tous talentueux dans chaque catégorie, que ce soit le chant, la danse ou le rap. C'est une grande force qui fait qu'ils peuvent s'adapter à tous les concepts et créer toutes sortes de tableaux grandioses. Yeonjun est notamment un danseur hors pair qui ne manque pas de dévoiler des performances uniques en mettant son talent à profit. Pourtant, comme tout groupe, Tomorrow by Together possède également ses faiblesses. Les débuts du groupe étaient en effet très attendus et les espérances face au nouveau boys band de HYBE très élevées. Mais malgré une très bonne performance de danse, les live vocals n'étaient pas du tout au rendez-vous. On peut alors se demander si les membres étaient réellement prêts à affronter la scène, surtout avec ce qu'ils représentaient auprès du public, un groupe sans défaut étant à la suite de BTS. Et même si aujourd'hui ils ont travaillé sur ces défauts et ont totalement pris le contrôle de la scène, ils ont pu souffrir pendant quelques temps de cette position de groupe pas suffisamment prêt ou à la hauteur de leurs aînés. D'ailleurs, même s'ils commencent peu à peu à s'en défaire, ils restent enfermés dans la case des petits frères de BTS. Alors que le groupe a une identité propre et qu'ils ont énormément à apporter, on continue de les comparer, de les associer à BTS, d'exprimer leurs ressentis envers leurs aînés. Cela peut être un réel frein au déploiement du groupe, car le fait d'être toujours les seconds les empêche d'évoluer dans leur carrière d'artiste, mais aussi personnellement. Notons aussi que le groupe reste quelque peu dans l'ombre en ce qui concerne leur présence dans des émissions, aussi bien lors de leur période promotionnelle qu'hors promotionnelle, à l'exception de leur variety show. Les apparitions sont minces et contrôlées, en groupe comme en solo. La première apparition solo de Bumgyu, par exemple, date de 2021 dans l'émission Bistro Shigo. Il souffre ainsi de ce défaut d'être trop mystérieux pour l'industrie, en comparaison des autres groupes de 4e génération, complètement omniprésents sur les réseaux sociaux. Malgré ça, en raison de choix millimétrés faits par l'agence, que ce soit au niveau de la storyline, du nom du groupe et des performances scéniques, TXT est l'un des groupes de K-pop les plus évolués du milieu, tant artistiquement que d'un point de vue marketing. En effet, le groupe ne manque pas de pousser les limites du réel et de l'irréel à leur paroxysme, au travers de clips denses et travaillés dans les moindres détails, étant parfois même des courts-métrages d'une dizaine de minutes à l'univers spectaculaire et profond. Chaque vidéo est un tableau qu'il faut visionner plusieurs fois pour en découvrir toutes les facettes, et dont le message est une représentation brute des difficultés de la vie, nous amenant à nous questionner et à nous soutenir pour améliorer les choses. Également, lors de chaque comeback, TXT travaille ses décors avec justesse, offrant une performance unique et riche en émotions. Rien n'est laissé au hasard pour pousser la musique au-delà de ses limites. Elle s'écoute et se regarde. Avec une discographie dense et dont le style s'affine au fur et à mesure des comebacks, une grande popularité à l'étranger mais encore plus forte en Corée du Sud,
ils sont assurément le nouveau phénomène portant encore plus haut les ambitions de la K-pop. Pourtant encore jeune dans l'industrie, TXT est arrivé sur la scène musicale coréenne comme un nouveau souffle. Étant d'abord le nouveau groupe phénomène successeur de BTS et portant toutes les attentes de l'industrie entre ses mains, pour en devenir un symbole à l'identité et à l'univers unique et dense, bousculant tout ce qui avait été mis en place auparavant. Pourtant parti d'un postulat enfantin de conte de fées, le groupe a montré qu'il se complexifiait au fur et à mesure qu'il grandissait et affrontait les difficultés du monde. Les membres ont évolué avec leur public, sont passés par différentes phases de recherche de leur identité pour atteindre le paroxysme de leur cheminement de pensée et trouver qui ils sont vraiment. Des êtres imparfaits, mais uniques. Possédant des capacités multiples, TXT n'hésite pas à aller toujours plus loin et à défier les limites du réel, au travers d'une storyline complexe, travaillée dans les moindres détails, aux messages cachés et puissants, mais aussi de performances touchantes dans lesquelles les membres se dévoilent plus intimement, mettant à nu leurs sentiments et ressentiments. Leur discographie plus que diversifiée met en avant des titres touchants de par leur sincérité et leur véracité quant à notre appréhension du monde et de nous-mêmes. On y apprend des valeurs telles que la découverte de soi et des relations que l'on peut avoir avec les autres. En un mot, notre évolution. Bien plus que de la musique, TXT nous emporte dans son univers mélangeant songe et abîme, un monde complexe mais profondément réel, touchant et intense, témoignant de l'évolution du groupe et de son travail pour devenir des artistes épanouis et fructueux. Pourtant, ce n'est que le début du livre de leur histoire, qui nous promet de nouvelles découvertes encore plus riches que les précédentes. Ce groupe sensationnel sur le point de devenir le nouveau pilier de la K-pop, c'est Tomorrow by Together. Ils nous accompagneront dans notre quête pour évoluer vers le meilleur, demain et tous ensemble.